aux paroles que vient de prononcer Monsieur le ministre de la Sécurité, que je tiens à remercier, ainsi que tous ses autres collègues ministres du gouvernement tchadien, ainsi que tous les officiers qui sont présents ce soir ici autour de vous, cher Jérôme Huguenot, pour l'effort immense qui a été accompli sans relâche, sans désemparer, comme on dit, depuis vendredi en fin d'après-midi, pour vous retrouver sains et saufs. Au nom du président de la République, Emmanuel Macron, d'exprimer nos plus sincères et amicales et fraternels remerciements au Tchad, aux Tchadiens, à tous ceux, toutes celles qui se sont mobilisées pour que ce soir, nous soyons ensemble sur ce tarmac, ici, sur la base Kosseï, et que vous soyez avec nous, sains et saufs. Et je sais que votre épouse, vous avez pu la joindre depuis Faya. Je veux aussi associer à ces remerciements l'Australie, puisque vous avez la nationalité australienne par votre épouse. Et l'ambassade d'Australie à Paris a tenu à dire combien elle était heureuse de ce dénouement. Et les pensées d'Australie sont aussi avec nous ce soir sur le sol du Tchad.